Bon dia a tothom. Molt contents d'obrir una nova escola d'estiu, la que fa 56, que ja són anys, i doblement contents perquè tenim el plaer de tenir amb nosaltres, tot i la distància i les dificultats tècniques, el Philippe Mérier, professor de pedagogia, que ens il·lumina i ens marca el camí del pensament i la pràctica en educació. A Catalunya el vam conèixer fa més de 20 anys, el Philippe Mérier, a través de la traducció d'un llibre, que és el Frankenstein educador, que encara avui és vigent. No sé, Philippe, si per bé o per mal, però encara és un llibre referent. I a partir d'aquí, a partir d'aquesta descoberta, va venir a Barcelona i va començar una llarga amistat amb l'Associació de Mestres Rosa Sensat, i des de l'associació hem traduït diversos llibres seus. En destaco un dels últims anys, que és el llibre Educar després dels atemptats, que ell va escriure arran dels atemptats jihadistes del 2015 i 2016 a França, i que Rosa Sensat el va editar després dels atemptats que van patir a la Rambla de Barcelona l'agost del 2017. Philippe Mérier és molt conegut al nostre país, i jo diria que és més que un investigador. Jo diria que és un apassionat de les ciències de l'educació i que ha inspirat diverses reformes pedagògiques a França, al seu país, i ha treballat durant molts anys a la Universitat Lumière Lyon II. Vull agrair-li de nou que s'hagi brindat a compartir un cop més les seves reflexions sobre com portar a terme una educació més humana, més emancipadora i, en definitiva, més democràtica i més progressista. Ara que aquests conceptes, els conceptes de democràcia i els conceptes de progressisme, estan més devaluats que mai. Bonjour, Philippe. Nous sommes très heureux de vous, que vous soyez avec nous aujourd'hui et nous espérons que vous pourrez bientôt revenir à Barcelone. Esperem que sabreu comprendre les dificultats tècniques perquè el volíem tenir en directe, no volíem que això fos una conversa enllaunada. I el que us demanem és aquesta mica de paciència en aquest mitjà virtual. Avui el Philippe farà la seva conferència en francès. Ja sabeu que ell parla d'una manera molt pausada i que s'entén molt bé el seu francès. I aquesta conferència la tindreu penjada demà amb la traducció al català. Per tant, us deixo amb el Philippe i endavant. Philippe, endavant. Merci, Francine. Je suis très, très heureux de participer à cette 56e école d'été de Rosa Sensat. Comme Francina l'a dit, j'ai toujours été et je souhaite rester un ami de Rosa Sensat, un compagnon de recherche et un compagnon de combat pour la pédagogie et pour une pédagogie authentiquement émancipatrice. Alors, je suis heureux également parce que la thématique de cette école d'été, retrouver l'essence, l'identité de l'école, est parfaitement en phase avec mes recherches et mes travaux actuels, et en particulier avec ma réflexion sur ce que l'école peut encore aujourd'hui pour la démocratie. Alors, en introduction, je voudrais évoquer la situation globale dans laquelle nous vivons, dans laquelle vivent les sociétés occidentales, et évoquer aussi quelques défis inédits liés à la pandémie que nous sommes en train de vivre. Alors, la situation cruciale de nos sociétés occidentales est liée à ce phénomène qui a frappé l'Europe entière entre 1950 et 2000 et qu'on intitule l'individualisme social. Nous avons vu à ce moment-là s'effondrer le fonctionnement holistique global des sociétés et émerger la demande individuelle, le désir de chaque personne que sa demande en matière éducative, en matière de choix personnel, soit prise en compte
par la société. Les sujets se sont très largement émancipés des tutelles religieuses et sociétales, même si certaines tutelles religieuses et sociétales restent fortes, et ils revendiquent le droit d'effectuer leur propre choix dans tous les domaines. Cette évolution est déterminante, il faut la comprendre. Elle est sans doute la première étape nécessaire pour la construction d'une démocratie authentique. Il n'est pas possible de construire une démocratie authentique dans une société holistique où le comportement, les choix, les décisions de chacun sont dictées par l'organisation sociale. La démocratie suppose que chacune et chacun puisse exprimer son point de vue, mais elle ne suppose pas que cela. La démocratie suppose aussi, bien sûr, que nous apprenions ensemble à penser par nous-mêmes et à fabriquer du commun. Il nous reste à travailler, et l'éducation va avoir un rôle essentiel dans cette nouvelle étape, il nous reste à travailler pour que les individualités ne se contentent pas de se juxtaposer les unes à côté des autres, mais qu'elles apprennent à faire société, à fabriquer du commun et à organiser une authentique solidarité, une solidarité qui permette à notre monde de sortir de la juxtaposition des individualismes et des communautarismes. Alors, à cette situation cruciale que vivent toutes les sociétés occidentales, s'ajoutent des défis inédits. Des défis inédits liés à la pandémie du Covid-19 que nous sommes en train de vivre, une situation très largement inédite, au moins dans notre modernité, une situation qui témoigne à la fois, s'il était encore besoin, de la fragilité des humains. Nous sommes fragiles, notre civilisation est fragile, et chacun d'entre nous individuellement est fragile. Et cette fragilité, nous ne pouvons, sinon la combattre, du moins la compenser, que par de la solidarité authentique. Nous avons appris aussi, si nous ne le savions pas au cours de cette pandémie, que nous sommes solidaires, que la solidarité est un fait avant même d'être une valeur, qu'elle est un fait, les humains sont solidaires entre eux et ils sont solidaires avec la planète. Alors nous pouvons ignorer cette solidarité et continuer à travailler chacun pour soi, pour notre intérêt individuel, où nous pouvons activer cette solidarité, agrandir le cercle de cette solidarité, faire vivre cette solidarité, non pas pour le pire, mais pour le meilleur. Alors en matière éducative, plus précisément, cette crise du Covid-19 a révélé un certain nombre de phénomènes qui me paraissent particulièrement importants. D'abord, elle a révélé, nous le savions, mais nous l'avons encore mieux appris et découvert, elle a révélé des inégalités que nous connaissions, mais qui se sont exprimées et creusées de manière considérable. Nous avons vu que dès lors que nos enfants ne pouvaient pas se rendre à l'école, nous avons vu que nos enfants, dès lors qu'ils étaient très largement renvoyés à l'éducation familiale, eh bien, n'étaient pas égaux devant les savoirs scolaires. Nous le savions, mais ces inégalités se sont creusées et il nous faut bien évidemment les prendre en compte. Cette crise a révélé également l'impossibilité de réduire l'enseignement à un ensemble de procédures individualisées. On ne n'enseigne pas en juxtaposant des élèves les uns à côté des autres dans une classe ou chacun chez eux devant leur écran. Nous avons besoin, et toutes les enquêtes qui ont eu lieu pendant les différents confinements nous le montrent, nous avons besoin, nos élèves ont besoin, de l'institution symbolique de la classe. Il faut qu'ils aillent en classe. Et le trajet lui-même qui va de la maison à l'école est un trajet qui symbolise une prise de distance intérieure, qui symbolise un désir et une volonté de sortir de soi pour aller vers les autres, de sortir de ses préjugés pour aller vers le savoir, de sortir de son individualisme pour aller vers du collectif. Nous avons vu à quel point c'était important et à quel point l'école, précisément, jouait ce rôle. Il est dans l'essence de l'école, puisque c'est le thème de votre école d'été, il est dans l'essence même de l'école d'être un lieu où l'on va, d'être un lieu vers lequel on se déplace. Et l'enfant a besoin de ce déplacement matériel pour effectuer dans sa tête un déplacement intellectuel pour aller
de soi vers les autres, de sa famille vers les autres familles, de ses représentations vers des savoirs plus larges, de son cercle personnel vers un collectif et vers l'humanité tout entière. Nous avons découvert aussi à l'occasion de cette crise que les interactions entre le maître et les élèves, ainsi qu'entre les élèves eux-mêmes, étaient absolument essentielles et que si ces interactions manquaient, eh bien la construction, l'appropriation des savoirs devenait non seulement difficile, mais pour un certain nombre d'enfants, totalement impossible. Et puis je dois dire qu'il y a un autre phénomène qui me semble important, qui a été moins souligné à l'occasion de cette crise, mais qui est l'importance du rapport entre l'insécurité intellectuelle nécessaire à tout apprentissage et la sécurité psychique qui l'autorise. Nous le savions depuis des grands psychologues comme Henri Vallon ou Jean Piaget, mais nous avons vu concrètement que dès lors que nos enfants sont en insécurité psychique, dès lors qu'ils sont dans un contexte qui ne leur permet pas d'avoir cette sécurité psychique nécessaire à leur développement, eh bien, ils entrent beaucoup plus difficilement dans l'apprentissage. Parce que cet apprentissage, eh bien, c'est de l'insécurité intellectuelle. Et on ne peut pas ajouter de l'insécurité intellectuelle à l'insécurité psychique. Il faut reconstruire de la sécurité psychique pour pouvoir entrer dans des apprentissages qui sont toujours une mise en relation, une mise en tension, voire une mise en conflit intérieur du sujet qui voit des représentations anciennes bousculées par des apprentissages nouveaux. Cette insécurité intellectuelle, elle nécessite que l'enfant ait un minimum de sécurité psychique. Nous le savions, les grands psychologues comme Henri Vallon nous l'avaient indiqué, nous le redécouvrons et cela nous invite à penser aussi l'école comme un lieu de sécurité psychique pour l'enfant, sécurité psychique qui permet précisément l'accès à l'insécurité intellectuelle qui est le propre de tout apprentissage. Ces phénomènes, tous ces phénomènes, les phénomènes sociétaux liés à la démocratie que j'ai évoqués dans un premier temps, les phénomènes liés à cette crise du Covid-19, tous ces phénomènes ne peuvent pas ne pas interpeller en profondeur nos projets et nos systèmes éducatifs. Ils ne peuvent pas ne pas nous faire questionner sur ce que c'est que l'école. Est-ce que l'école, c'est un ensemble de services scolaires, une sorte de garderie doublée d'une sélection, ou est-ce que c'est une institution qui a une mission, qui a une mission au sein de nos sociétés, et cette mission, je fais le pari qu'elle peut exister et qu'elle peut être, parmi bien d'autres, la construction d'une démocratie authentique. Voilà pour ces quelques éléments d'introduction. Quelques pistes maintenant, si vous le voulez bien, pour concrétiser tout cela. Penser notre avenir, celui du monde et de nos démocraties. D'abord, peut-être, pour penser notre avenir, un premier temps, une première chose, ça peut paraître anecdotique, c'est pour moi fondamental, déchiffrer l'éducation. Alors, je ne sais pas si le jeu de mots peut fonctionner en catalan, mais en français, déchiffrer, ça a deux significations. Déchiffrer, ça veut dire comprendre, interpréter, mais déchiffrer, si on sépare le « dé » du « chiffré », ça veut dire sortir du chiffre, sortir d'une éducation qui est entièrement régie par le chiffre, par les résultats chiffrés, par l'organisation chiffrée qui fait que tout peut être réduit à des chiffres, à des nombres, que tout peut être ramené à du calcul, à des tests, à des comparaisons, à tout ce qui peut permettre le développement de la concurrence, beaucoup plus que de la collaboration. Alors, déchiffrer l'éducation est nécessaire. Oui, c'est nécessaire parce que l'hégémonie des évaluations, et que ce soit des évaluations internationales, nationales ou locales, l'hégémonie des évaluations de toutes sortes réduit aujourd'hui, malheureusement, les finalités de l'école à ce qui est quantifiable et comparable. Et je dirais même plus à ce qui est quantifiable et comparable dans l'instant, immédiatement, ce que l'on peut observer tout de suite, quantifier et comparer. Eh bien non, je crois qu'il nous faut lutter contre cette tentation-là. L'école a des finalités qui ne sont ni nécessairement quantifiables, qui ne peuvent pas nécessairement aboutir à des comparaisons et qui ne sont pas
observable nécessairement à court terme. Nous avons besoin de poser cette nécessité de finalité à plus long terme, de finalité à plus long terme qui ne font pas l'impasse sur les vrais projets éducatifs. Voilà. Nous savons bien aujourd'hui que cette hégémonie des évaluations, cette hégémonie du chiffre, cette hégémonie des classements fait l'impasse sur ces projets éducatifs et invite les systèmes éducatifs et les enseignants eux-mêmes à adopter ce que nos collègues américains ont expérimenté et dénoncé depuis maintenant bien des années, qui est le teaching by test, c'est-à-dire l'on n'enseigne plus que ce qui est évalué, quantifiable, comparable, que ce qui est mesurable à court terme, au détriment des finalités de l'école, au détriment de la formation citoyenne qui ne peut pas faire l'objet de cette évaluation immédiatement quantifiable et comparable. Alors oui, il nous faut déchiffrer l'éducation parce que ces savoirs scientifiques sur l'éducation, et on en a quelques-uns aujourd'hui qui se développent, à travers en particulier les neurosciences, ne permettent nullement de prescrire le travail de l'enseignant. Des savoirs scientifiques sur l'éducation, issus des statistiques sociologiques, ne disent rien du futur que nous pouvons construire. Oui, bien sûr, sociologiquement, il y a des constantes, mais nous avons le devoir de faire mentir les statistiques. Nous avons le devoir de construire des situations qui permettront l'émancipation de toutes et tous et non pas la sélection de quelques-uns. Et puis, la connaissance de procédures standardisées d'apprentissage, on en a aujourd'hui beaucoup sur le marché des procédures standardisées d'apprentissage, que ce soit la méthode de Singapour pour les mathématiques, parfois la méthode Montessori ou d'autres. Ces procédures standardisées ne permettent pas de trancher ni de la nature des contenus enseignés, ni de la manière de mobiliser les sujets sur ces contenus. Prenons un exemple, celui de la mémoire, par exemple. Eh bien, nous avons aujourd'hui des connaissances solides sur la manière d'aider quelqu'un à mémoriser quelque chose. Oui, bien sûr, et cela, nous pouvons nous en servir. Mais ces connaissances sur la manière de mémoriser quelque chose, eh bien, ne nous disent rien sur ce qu'il faut mémoriser. Qu'est-ce qu'on doit mémoriser pour grandir? Qu'a-t-on besoin de mémoriser? Ça, c'est une question éducative et ne nous disent rien non plus sur comment mobiliser des enfants pour qu'ils s'investissent dans un travail de mémorisation. Donc, nous pouvons bien connaître un petit peu mieux comment fonctionne le moteur. Cela ne nous dit rien de la direction que doit prendre le véhicule. Nous avons aujourd'hui une inflation de ce qui se prétend être des connaissances sur le fonctionnement du cerveau, sur le fonctionnement de l'apprentissage. Nous pouvons avoir et multiplier les connaissances sur le fonctionnement du moteur d'une voiture. Cela ne nous exonérera jamais d'avoir à décider de la direction, du parcours, de savoir où nous allons et pourquoi nous y allons. J'ajoute que nous avons toute une série de recherches aussi qui existent aujourd'hui sur les profils cognitifs des sujets. Mais ces recherches-là, qui aboutissent le plus souvent à des catégorisations, eh bien, ne doivent pas enfermer les sujets dans ce qu'ils sont ou dans ce qu'ils savent déjà faire, puisque le rôle de l'éducation, c'est précisément de faire découvrir au sujet des dimensions nouvelles, de leur permettre de se dépasser et non pas de les enfermer dans une étape de ce qui n'est qu'un moment de leur développement. Alors oui, pour terminer cette partie sur déchiffrer l'éducation, je pourrais citer cette phrase de Marx dans Marx et Engels, dans le manifeste du Parti communiste, qui prophétisait déjà, il y a déjà quelques années bien sûr, que nous périrons dans les eaux glacées du calcul. Les eaux glacées du calcul égoïste, disait-il. Oui, je crois qu'en éducation, il faut nous méfier des eaux glacées du calcul. Il faut nous méfier de cette tentation de tout ramener à ce qui est calculable, à ce qui est chiffrable. Il faut nous exaucer vers des finalités qui nous permettent de nous situer à hauteur de société, à hauteur d'hommes et de femmes, à hauteur du futur, de l'avenir, du progrès de nos enfants et de notre univers, de notre monde. Voilà pour cette première série de remarques.
Alors, pour l'illustrer, je voudrais vous présenter un modèle discutable, bien sûr, mais qui me semble permettre de comprendre un petit peu les discours sur l'éducation aujourd'hui. Ce modèle tente de comprendre les discours éducatifs comme une pratique qui met en relation trois éléments de nature hétérogène et dont l'articulation est toujours à construire. Cette articulation, à mes yeux, peut être rigoureuse, mais elle ne peut pas être scientifique. Alors, quels sont ces trois éléments? Eh bien, ces trois éléments, c'est d'abord le pôle des finalités. Il n'y a pas d'éducation sans la question, l'interrogation sur quels enfants voulons-nous et pour quelle société. Alors, ces finalités étaient jadis théologiques, elles furent philosophiques, elles sont aujourd'hui politiques. Quels enfants voulons-nous pour quelle société? Et puis, dans toute pratique, dans toute activité éducative, il n'y a pas seulement des finalités, il y a des connaissances mobilisées sur l'enfant, sur ses apprentissages, sur son développement, sur les conditions de sa socialisation. Il y a enfin, et c'est le troisième pôle, des pratiques qui sont des institutions, des situations, des méthodes et des outils. Et un modèle pédagogique, un modèle d'éducation, un paradigme éducatif, comme je le dis souvent, eh bien, articule ces trois éléments. Articule des valeurs, articule des faits établis, et articule des outils, articule des moyens concrets pour sa réalisation. Et c'est la cohérence entre ces trois éléments de ce modèle qui fait qu'à un moment, nous sommes en face de quelque chose qui va pouvoir s'incarner dans la réalité éducative. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin de regarder les discours et les réalités éducatives à travers ces trois dimensions. Si nous avons cela, eh bien, nous allons voir que nous pouvons passer d'un paradigme à un autre. Nous pouvons passer du paradigme très largement dominant aujourd'hui de l'école efficace à un paradigme qui pourrait être celui de l'école solidaire. Alors, le paradigme de l'école efficace, eh bien, c'est quoi? C'est une école qui forme les capacités adaptatives de chacune et de chacun au service de la réussite individuelle. Ce paradigme de l'école efficace répond à la question, quels enfants, pour quelle société? Eh bien, cette école-là veut former une élite d'enfants qui soient performants, bien dans leur peau, pour une société où domine l'individualisme social et la concurrence libérale. Vous voyez, quels enfants pour quelle société? C'est pas toujours avoué, mais c'est souvent là, et c'est souvent précisément ce qui ne nous est pas dit, les valeurs implicites qui sont cachées derrière certains fonctionnements technocratiques. Alors, ce paradigme de l'école efficace, eh bien, valorise certaines connaissances, valorise certaines approches des faits éducatifs, valorise les évaluations quantitatives et les tests standardisés, valorise ce qu'on appelle les données probantes issues de la méthode expérimentale, valorise les neurosciences et les théories du développement personnel. Bien sûr, tout cela, ça n'est pas un hasard si on s'en empare et si on le met en valeur. C'est parce que cela va rentrer en accord, en quelque sorte, avec les finalités, avec les enfants que l'on veut former pour une société donnée. Et bien sûr, on va développer des institutions et des méthodes qui sont conformes à tout cela, c'est-à-dire des classes que l'on veut homogènes, avec des élèves qui sont censés faire la même chose en même temps, une évaluation quantitative, chiffrée, que l'on veut individuelle, une externalisation des difficultés en dehors de la classe, etc., etc. Et l'on a ainsi un paradigme assez cohérent, finalement, qui est en train de s'imposer un peu derrière l'expression d'école efficace et qui prend l'allure d'une sorte de pragmatisme qui nous dit « il n'y a au fond pas d'autre solution, c'est ce vers quoi nous allons ». Et c'est un paradigme qui, me semble-t-il, nous mène vers non pas une société solidaire qui ne fait pas de la pédagogie et de l'école un outil au service d'une société plus solidaire, c'est un paradigme qui va dans le sens d'une instrumentalisation des sujets dans une société qui serait à la fois libérale et concurrentielle et où la réussite individuelle l'emporterait sur le bien commun. C'est la raison pour laquelle, face à ce paradigme de l'école efficace, je propose que nous cherchions, nous travaillons, et c'est le sens de cette école d'été de Rosa Tsantsa, pour
l'élaboration d'un nouveau paradigme qui serait un paradigme d'une école solidaire. Une école qui forme à une société juste et démocratique, une société soucieuse du bien commun. Alors, quels enfants pour quelle société? Quelle finalité pour ce paradigme? Eh bien, des sujets capables de résister aux pulsions, à leur corps primaire, à tout ce que dictent aussi bien la publicité, les slogans que les théories du complot, des sujets capables de penser par eux-mêmes. Et des sujets qui soient capables aussi de s'associer pour une société soucieuse de la construction démocratique du bien commun. Et nous touchons là aux deux exigences fondamentales, me semble-t-il, d'une école qui peut préparer à une démocratie authentique, aider chacune et chacun à penser par lui-même, à échapper à toutes les formes d'emprise et en même temps permettre à chacune et à chacun de s'associer aux autres pour dépasser son intérêt individuel et construire ensemble une certaine vision du bien commun qui s'exauce au-dessus de la somme de nos intérêts individuels. Quels enfants pour quelle société? Eh bien, nous pouvons valoriser les connaissances pour cela. Alors, bien sûr, nous ne nions pas les connaissances scientifiques que j'évoquais tout à l'heure, mais nous pouvons valoriser une vision anthropologique de l'éducation, une vision culturelle de l'éducation, une approche phénoménologique du sujet, c'est-à-dire une approche qui part de l'intentionnalité du sujet et non pas de son strict comportement observable. Nous pouvons valoriser les théories du développement et pas simplement le béhaviorisme. Nous pouvons valoriser la psychologie culturelle, l'analyse institutionnelle. Nous pouvons en tout cas multiplier les éclairages qui nous permettent d'aider les enseignantes et les enseignants à construire des institutions et des méthodes qui permettent aux enfants à la fois de penser par eux-mêmes et de construire du commun. Alors, quelles institutions et quelles méthodes? Eh bien, pour aller très vite, parce que le temps nous manque, des institutions et des méthodes qui font de l'école un espace de décélération. Décélération, c'est-à-dire on prend le temps. On prend le temps de penser. On prend le temps de passer du réflexe à la réflexivité. Non pas tout de suite, réfléchissons-y, échangeons, informons-nous. C'est ça la décélération et c'est évidemment une condition fondamentale du penser par soi-même. Mais aussi, quelles institutions et méthodes? Eh bien, des institutions et des méthodes qui mettent en place des dispositifs attentionnels de l'apprentissage. Si j'avais le temps, je développerais longuement cette question de l'attention, être attentif. La société libérale d'aujourd'hui est une société qui vole l'attention en permanence, qui achète notre attention, qui brise notre capacité d'attention en éclatant en quelque sorte celle-ci par la multitude des stimuli auxquels nous devons faire face. Eh bien, construire des dispositifs attentionnels, c'est être capable de mettre en place dans la classe des collectifs où ensemble, on va passer à cette attention conjointe qui est si déterminante dans le développement. Vous savez, l'attention conjointe, eh bien, on sait que c'est une étape pour l'enfant. L'enfant d'abord regarde son père, regarde sa mère et ses proches. Et puis, à un moment, il va accepter de regarder quelque chose avec ses proches. Eh bien, le stade qui prolonge cela, c'est la capacité d'être dans un collectif et de se donner attentionnellement, collectivement à ce collectif pour faire quelque chose ensemble, que ce soit un débat, que ce soit un projet, que ce soit un apprentissage, partager des savoirs, des connaissances, des compétences. Et puis, troisième élément qui me semble fondamental, changer complètement le statut de l'évaluation. L'évaluation aujourd'hui est une évaluation au service de la concurrence. C'est une évaluation qui permet à chacune et à chacun de savoir s'il est meilleur que les autres, alors que l'objectif d'une évaluation pour une école démocratique et formatrice à la démocratie, c'est une évaluation qui ne permet pas de savoir si on est meilleur que les autres, mais qui permet à chacune et à chacun de devenir meilleur que lui-même, meilleur que lui-même. C'est la raison pour laquelle je fais partie de ceux et celles qui, avec Paolo Freire, dénoncent la pédagogie bancaire, la pédagogie où l'on échange un travail contre une note, et qui préfèrent une pédagogie du chef-d'œuvre, une pédagogie dans laquelle la personne, individuellement ou collectivement,
s'investit et progresse, se dépasse pour aboutir à quelque chose qu'elle ne savait même pas qu'elle était capable de faire, pour aboutir à quelque chose dont elle sera fière et qu'elle mettra au service du collectif. Quelles institutions et quelles méthodes? Eh bien, bien sûr, faire vivre les questions à l'origine des savoirs, parce que si l'on veut sortir de la pédagogie bancaire, il faut donner du sens à ces savoirs. Et le sens à ces savoirs, on le retrouve dans l'épistémologie des connaissances, dans la construction des connaissances. Au fond, que ce soit le théorème d'Archimède, que ce soit Pythagore, que ce soit Don Quichotte, que ce soit des savoirs littéraires, scientifiques, biologiques, etc. Qu'est-ce qui est à l'origine de tout ça? Au fond, qu'est-ce que nous pouvons partager avec les autres? Comment chacun, avec notre individualité, dans notre histoire spécifique, nous pouvons accéder aux questions qui sont à l'origine de ces œuvres, de ces chefs-d'œuvre de l'histoire de l'humanité, et comprendre pourquoi ces œuvres ne sont pas simplement des obstacles que l'on a mis sur un parcours du combattant pour acquérir des diplômes, mais des outils que l'on nous donne pour participer à l'humaine condition. Et puis, bien sûr, quelles institutions et quelles méthodes, des institutions et des méthodes qui nous permettent de construire des collectifs et non pas simplement des juxtapositions d'individualité et de faire vivre une pédagogie de l'entraide et de la coopération. Je suis très frappé d'une certaine inconséquence de nos systèmes éducatifs au regard de la recherche en éducation qu'ils prétendent par ailleurs mettre en valeur, parce que toute cette recherche en éducation a montré l'efficacité de la pédagogie de l'entraide, et pas simplement pour celui qui est aidé, mais pour celui qui aide. Eh bien, malheureusement, l'entraide est marginale, et il y a peu de pays, la France ne fait pas partie de cela, il y a peu de pays où l'on demande systématiquement à chaque enfant d'aider un camarade un peu plus en difficulté ou dans un niveau de classe un peu plus faible que le sien. Il y a peu de pays où l'entraide est promue comme étant au cœur de l'échange éducatif, au cœur de l'institution éducative. Dans la plupart des pays, hélas, c'est l'individualisme qui l'emporte sur l'entraide, quand l'entraide serait un outil extraordinaire pour nous former à la découverte et à la reconnaissance de l'altérité, quand l'entraide serait un outil extraordinaire pour nous permettre, pour permettre à nos enfants de découvrir les vertus de la coopération. Coopérer, ce n'est pas simplement juxtaposer des actions individuelles. Coopérer, c'est se donner un objectif commun. Ce n'est pas non plus procéder à une division du travail entre des concepteurs, des exécutants et des chômeurs. Coopérer, c'est être capable ensemble d'apporter chacune et chacun notre pierre à un édifice commun sans qu'il y ait des valorisations indues, des exclusions implicites ou explicites qui fonctionnent dans ce mouvement, dans cette démarche. Voilà, alors je crois aujourd'hui que nous avons face à nous un système très puissant qui est celui du paradigme de l'école efficace, avec ses tests, avec sa conception de l'enfant, avec son mode de fonctionnement de l'école, et que face à ce paradigme de l'école efficace, nous pouvons, puisque c'est l'objet de cette université d'été, de cette école d'été de Rosa Sensat, nous pouvons militer pour un paradigme différent, qui soit celui de l'école solidaire, avec une autre vision de l'enfance, avec une valorisation d'autres connaissances que les connaissances purement quantitatives et statistiques, et avec la mise en œuvre d'autres institutions et d'autres méthodes que celles qui stimulent la concurrence dans l'intérêt individuel, des intérêts individuels au détriment du bien commun. Voilà pour cette première série de remarques. Alors, pour développer un tout petit peu cela, j'ai dit tout à l'heure, quand j'ai évoqué ce fameux paradigme de l'école solidaire, qu'il avait deux objets majeurs en termes de finalité, deux objectifs majeurs qui étaient de rendre chacun et chacune capable de penser par lui-même d'une part, et d'autre part de permettre la construction du bien commun. Je vais y revenir parce que ces deux finalités majeures me semblent au cœur des missions de notre institution.
rendre chacun et chacune capable de penser par lui-même. Vous savez que c'est la définition que le philosophe Kant donnait des Lumières. Quand on lui demandait « qu'est-ce que les Lumières ?», il répondait « sapere aude » en latin, « ose penser par toi-même ». Ose penser par toi-même, ose sortir des emprises qu'exercent sur toi les autres, quels qu'ils soient, pour te faire une opinion, pour te construire une opinion toi-même personnellement. Oser penser par soi-même, eh bien, c'est sortir des certitudes et leur substituer quelque chose de plus difficile, de plus compliqué, mais absolument central dans l'identité de l'école, qui est la dialectique des convictions et des connaissances. Nous progressons dans cette dialectique. Une certitude, c'est ce qui empêche finalement de progresser. Quand je suis certain de quelque chose, je m'y enquiste, je m'y enferme et je deviens totalement intolérant à tout ce qui pourrait venir mettre en question mes certitudes. Eh bien, grandir, être capable de penser par lui-même, c'est sortir de cela. C'est sortir de ses certitudes pour accéder à quelque chose qui va être complexe et qui va être une démarche permanente dans la vie du sujet. J'ai des convictions, des choses que je crois, et c'est bien légitime, et puis je découvre qu'il y a des connaissances. Est-ce qu'elles viennent confirmer ou est-ce qu'elles viennent au contraire infirmer mes convictions? Comment je peux dialectiser mes convictions et mes connaissances? C'est cela qui va être au cœur du progrès individuel de chaque individu. C'est cela qui va permettre de lutter contre tous les dogmatismes. C'est cela qui va permettre de lutter contre les théories du complot, par exemple. Qu'est-ce qu'une théorie du complot? Une théorie du complot, c'est une certitude qui vous donne en quelque sorte une lecture définitive et complète de la réalité du monde et qui vous dit, voilà, tu sais maintenant, tu sais, donc tu n'as plus besoin d'apprendre. Tu sais, donc, que le monde est divisé en croyants et mécréants. Tu sais qu'il y a un complot qui explique toute la politique mondiale. Tu sais. Tu sais, donc, tu n'apprends plus, puisque tu sais. Sortir des certitudes. Permettre aux enfants de se dégager de cette espèce d'enquistement sur les certitudes qui bloque l'accès à la pensée autonome. Sortir des certitudes, c'est passer du désir de savoir au désir d'apprendre. J'insiste beaucoup sur cette distinction. Tous les enfants désirent savoir, mais tous les enfants ne désirent pas apprendre. La plupart des enfants désirent savoir sans apprendre. Or, le problème de l'école, c'est pas de combler le désir de savoir, parce que les théories du complot comblent mieux le désir du savoir que l'école. C'est de passer d'aider l'enfant de passer du désir de savoir au désir d'apprendre. Je sais pas complètement, je sors de mes certitudes et je vais chercher d'autres connaissances, je vais m'informer auprès d'autres sources, je vais vérifier telle hypothèse par une expérimentation, je vais débattre avec d'autres dans le cadre d'un débat qui soit serein, stabilisé. Voilà, je vais chercher parce que chercher, c'est ce qui permet d'apprendre, et je vais passer de ce désir de la complétude d'un savoir définitif à un désir de chercher des savoirs qui, d'une certaine manière, tout au long de ma vie, vont être construits progressivement parce que je ne finirai jamais d'apprendre et de désirer apprendre. Oui, pour penser par soi-même, il faut passer du désir de savoir au désir d'apprendre. Et là, on est au cœur de l'essence même de l'école. L'école ne répond pas au désir de savoir. C'est la publicité, c'est les théories du complot, c'est une espèce de fausse religiosité qui répond au désir de savoir et qui comble le désir de savoir des enfants. Le rôle de l'école, c'est de susciter le désir d'apprendre, c'est-à-dire de sortir précisément des certitudes pour aller dans une démarche de recherche vers des savoirs nouveaux. Et puis, bien sûr, pour aider chacun à penser par lui-même, il faut faire en sorte qu'en toute chose, le sujet intériorise l'exigence. Voilà aussi quelque chose qui me semble au cœur de l'essence de l'école, intérioriser l'exigence. Intérioriser l'exigence, parce que si l'enfant n'est exigeant que quand il a le maître derrière lui en classe, qui lui dit « voilà, il faut que tu corriges parce que ça n'est pas bien fait ou c'est inexact », eh bien quand le maître disparaît, l'enfant n'est plus exigeant.
L'important, c'est, nous le savons aussi, parce que la psychologie cognitive de Vallon, de Piaget et de bien d'autres nous l'ont montré, parce que les travaux pédagogiques des grands pédagogues, des grandes figures de la pédagogie nous l'ont montré, eh bien, ce qui fait grandir quelqu'un, c'est qu'il peut être exigeant avec lui-même, y compris quand l'éducateur, quand le maître, quand l'adulte qui incarnait cette exigence disparaît. Et donc, cette intériorisation de l'exigence est quelque chose d'absolument fondamental. Et je rejoins là, bien sûr, ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'évolution de l'évaluation. Une évaluation qui simplement associe à un travail, un chiffre, ne permet pas d'intérioriser l'exigence. Ce qui permet d'intérioriser l'exigence, c'est une évaluation qui fait dire à l'enfant, à l'enfant, je peux mieux faire, qui donne à l'enfant des conseils et qui l'aide à remettre en chantier, bien sûr, son travail. Ce que, par exemple, Célestin Freinet décrit très, très bien quand il parle de la mise au point des textes. Hein, la mise au point des textes, c'est un exercice que Freinet pratiquait systématiquement et qui est typiquement l'exercice qui permet d'intérioriser l'exigence. Vous vous souvenez de ce que faisait Freinet avec les élèves à cet égard? Eh bien, il demandait à des élèves d'écrire, vous savez, le texte libre, et puis chaque élève venait devant la classe proposer son texte libre. Et on demandait aux autres élèves de la classe de réagir, de dire ce qu'ils estimaient moins bien, et ce qu'il fallait améliorer là où c'était pas clair. Mais Freinet, le maître, surtout ne disait pas à l'élève qui présentait son texte « tu dois corriger ». Non, il disait « écoute ce que te dit ton camarade et pose-toi la question, est-ce que ça améliore ton texte ou est-ce que ça ne l'améliore pas? Est-ce que ça améliore ce que tu veux dire ou est-ce que ça le dévoie ?» Et c'est par là que l'élève, en intériorisant les questions des autres, intériorise de l'exigence. L'exigence qui est toujours, Jean Piaget le montrait, une espèce de décentration, une forme de décentration qui a la capacité de se situer à l'égard de ce qu'on fait comme un autre qui regarderait ce que nous faisons et qui nous permettrait de progresser. Oui, rendre chacun et chacune capable de penser par lui-même est au cœur de la formation à la démocratie. Il n'y a pas de démocratie sans ce travail permanent que doit faire l'école, mais que devraient faire aussi ensuite les médias, par exemple, pour aider chacune et chacun à penser par lui-même. Alors j'ai dit, pour penser notre avenir, il faut déchiffrer l'éducation, il faut rendre chacune et chacun capable de penser par lui-même. Je voudrais préciser maintenant ce que j'entends par construire du commun. Construire du commun, c'est évidemment ce qui est au cœur de l'enseignement. Là aussi, nous sommes dans l'essence de l'école. Parce que enseigner, c'est faire en sorte que des individus, des sujets qui arrivent chacun avec une histoire singulière, qui arrivent chacun avec une culture singulière, même si ils partagent des éléments de cette culture, chaque famille a quand même des expériences particulières. C'est des sujets singuliers qui viennent ensemble dans le même lieu pour partager les mêmes connaissances et pour partager et découvrir les valeurs qui permettent ce partage des connaissances. Voilà, c'est ça le premier commun de l'école. Chacun arrive avec son histoire, avec sa trajectoire, avec ce qu'il est, et puis ensemble, avec ce que l'on est, on partage ce qui nous relie. Ce qui nous relie, c'est des connaissances dont le philosophe Fichte disait que ce qui les caractérise, ces connaissances, c'est que précisément elles sont partageables à l'infini. Nul ne peut en être exclu. Si ce sont de vraies connaissances, tout le monde peut y accéder. Eh bien, construire du commun, c'est d'abord ça. L'école, c'est d'abord ça. C'est d'abord aider chacune et chacun à être reconnu dans sa singularité, mais avec sa singularité, accéder à des connaissances qui les relient, des connaissances qu'on partage, et comprendre à quelles conditions on peut partager ces connaissances. Ces conditions, c'est le respect d'autrui, c'est la reconnaissance de l'altérité. Ces conditions, c'est le refus de l'exclusion de celui qui ne pense pas comme moi, de celui qui a une autre vision du monde que moi. Et ce sont ces conditions que le maître va devoir, que la maîtresse dans la classe vont devoir construire avec les élèves. C'est ça, construire du commun. Le premier commun, il est là.
Le premier commun, il est dans le fait, ça paraît tout bête, ça paraît tout simple, il est dans le fait que chaque élève avec son histoire singulière va arriver dans un lieu où ensemble, ils accepteront au même savoir et personne ne sera exclu de cet accès au savoir. Et ça, c'est fondamental, c'est fondateur, c'est le rôle fondamental de l'institution scolaire. Enseigner, à cet égard, c'est apprendre aux élèves à apprendre des autres. Eh oui, apprendre des autres. Apprendre des autres, apprendre que les autres, par leurs questions, par leurs interrogations, par leurs reformulations, par leurs expériences différentes de moi, vont m'enrichir et non pas m'appauvrir. Et ça, c'est déjà, bien sûr, avancer beaucoup dans la fabrication du commun. Les marchés de connaissances, les échanges de savoir, tout cela, ça contribue à la construction du commun. Ça peut se faire au sein d'une classe, ça peut se faire au sein d'une école, mais ça peut se faire aussi entre l'école et puis le reste de la société. Moi-même, j'ai beaucoup promu en France des échanges de compétences entre des seniors, des personnes âgées, même des personnes âgées très en difficulté, avec des adolescents, par exemple. Eh bien oui, on construit du commun. Quand des adolescents viennent apprendre l'informatique à des personnes âgées en maison de retraite et qu'elles apprennent de ces personnes âgées un certain nombre de choses sur leur histoire, sur ce qu'elles ont vécu, etc., etc., on apprend à apprendre des autres et on fabrique du commun. On fabrique du commun au-delà des singularités, de singularités que l'on respecte, mais qui acceptent d'échanger ensemble. Enseigner, c'est donc intégrer l'altérité dans des activités communes. Bien sûr, l'altérité, y compris l'altérité de ces enfants extraordinaires. J'appelle enfants extraordinaires ce que généralement on appelle les enfants porteurs de handicap. Oui, il y a des handicaps. Moi, je dis, il y a les élèves ordinaires, ceux qui n'ont pas vraiment de handicap et ils sont finalement assez peu nombreux. Et puis, les élèves extraordinaires qui ont plus ou moins de handicap. Eh bien, ces élèves extraordinaires, il faut que j'intègre leur altérité. C'est la raison pour laquelle l'inclusion des enfants porteurs de handicap dans la classe n'est pas seulement une bonne chose pour ces enfants-là. C'est une excellente chose pour les autres enfants. Mon enfant a besoin de rencontrer des enfants extraordinaires, des enfants porteurs de handicap, parce que cette altérité-là l'enrichit et parce que cette altérité-là lui montre la diversité des manifestations humaines et en même temps lui apprend la fraternité universelle, quelle que soit cette diversité. Enseigner, c'est enfin construire des institutions qui permettent l'émergence d'un collectif et la recherche d'un bien commun. Oui, des institutions. Nous parlons en France de la pédagogie institutionnelle. C'est une pédagogie qui s'attache à mettre en place des moments, des cadres dans lesquels il y a des règles qui s'appliquent et qui permettent de chercher le bien commun. Alors, il y a des institutions pour pratiquer le débat. Il y a des institutions pour chercher à prendre des décisions collectives. Eh bien, ces institutions, nous avons à les mettre en place dès l'école, parce que c'est dans ces institutions-là que chacun apprendra à se dépasser, à exprimer son point de vue, à penser par lui-même, mais aussi à entendre, mais aussi à réfléchir avec d'autres et à s'exaucer au-dessus de lui-même pour accéder à ce bien commun, un bien commun qui sera en même temps une manière de renoncer un peu à son intérêt individuel, mais d'accéder à des satisfactions bien plus grandes, parce que l'on recherchera ensemble l'intérêt collectif. Enfin, enseigner, c'est élargir sans cesse le cercle des solidarités. Solidarité au sein de la classe, solidarité entre les classes dans l'école, solidarité entre l'école et le quartier, solidarité entre les quartiers, entre les régions, solidarité au sein du monde et solidarité, bien sûr, avec la planète. Avec la planète, parce que nous avons besoin de cette solidarité, que cette solidarité est la condition de notre survie, mais que c'est aussi, et peut-être c'est bien plus important, la condition de notre dignité collective. Construire du commun. Donc, rendre chacun et chacune capable de penser par lui-même et construire du commun, voilà deux éléments fondamentaux qui structurent, à mon avis, l'école et qui font d'elle un levier fondamental pour construire une démocratie authentique. En conclusion, eh bien, je rappellerai ces deux exigences et je dirais que elles sont à articuler sans cesse.
il faut en assumer la tension dans l'acte éducatif. Parce que c'est pas en soi facile hein, de rendre compatible penser par soi-même et construire du commun. Le penser par soi-même renvoie un peu au sujet dans sa singularité, le construire du commun renvoie au collectif. Et l'enseignant va être celui, et je crois que c'est sa tâche, c'est sa mission dans ce qu'elle a de plus noble, qui va articuler au quotidien ces deux ambitions et qui va faire en sorte qu'elles deviennent compatibles. Et ça, il n'y a pas de recette miracle pour y accéder. Il y a des échanges de pratiques, il y a de la formation, il y a de la lucidité sur notre travail, il y a aussi, bien sûr, la participation à des écoles d'été, la participation à des mouvements pédagogiques qui nous permettent de comprendre comment ces deux finalités peuvent s'articuler ensemble et peuvent structurer fondamentalement l'acte éducatif au quotidien. Voilà, je vais m'arrêter là, mais non sans vous avoir dit auparavant à quel point j'ai été heureux de pouvoir participer à cette école d'été et vous avoir dit aussi à quel point il me semble important que vous réfléchissiez ensemble, si nombreux, à des questions aussi fondamentales et aussi essentielles pour notre avenir. Je crois que l'Occident aujourd'hui est placé devant un choix, qui est un choix fondamental, entre ceux et celles qui parient sur l'éducation et ceux et celles qui parient sur la répression et sur l'exclusion. Vous êtes de ceux et celles qui parient sur l'éducation pour faire avancer notre société, pour faire avancer nos sociétés, pour faire avancer le monde. Vous ne pariez pas sur la répression et sur l'exclusion. C'est ce qui fait que nous sommes, vous et moi, complètement solidaire, c'est ce qui fait la grandeur de notre combat, c'est ce qu'il faut rappeler, c'est ce qu'il faut rappeler sans cesse pour que nous puissions construire ensemble un avenir à hauteur d'hommes et de femmes, un avenir un peu plus chaleureux, un peu plus heureux, un avenir un peu plus solidaire et juste que le monde dans lequel nous vivons. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Philippe, pour votre conférence. Vos contributions nous seront très utiles pour rédiger les conclusions de l'école d'été. Nous avons un long chemin à parcourir et je vous remercie encore. Amb les aportacions que ens ha fet ara Philippe Mérien, crec que ens han fet reflexionar sobre molts temes que podem abocar en aquestes conclusions d'aquesta escola d'estiu, aquest camí per construir aquest nou paradigma d'aquesta escola solidària, de la que estem força lluny, jo diria, desxifrar aquesta educació, ampliar els cercles de solidaritat i aquesta última frase que ens has regalat, no?, de bandejar el que seria la repressió i l'exclusió per fer una escola això, que faci que contribueixi a un món millor i més inclusiu. Moltes gràcies, Philippe. Merci beaucoup. I esperem veure'ns aviat en persona. Moltes gràcies a tots. I hem comentat abans, pels que us heu afegit més tard, que aquesta conferència demà penjarem la traducció al català. I bé, moltes gràcies per ser-hi tots plegats. A bientôt, Philippe. A bientôt, à Barcelone. A bientôt.